Salut tout le monde, allez, bienvenue pour cette 7e vidéo, si je ne me cours pas. Donc, excusez-moi, donc on est à Mad Castle. Par le passé, les maîtres du château aimaient passer leur dimanche à la chasse à court. Ok. À votre tour d'aller chasser dans la nature. On a remplacé le gibier par des zombies, mais sinon c'est pas super pareil. Un vrai château importé d'Autriche. Amenez la famille en baignade dans la fontaine de la mort. Faites voir 36 chandelles à vos invités et nourrissez les piranhas entre quelques rounds de golf. Ça a l'air d'être sympathique. Surtout pour un parc à thème. Ce joli château a été importé du Zombikistan oriental il y a plus d'un siècle. Malheureusement, on avait oublié de se débarrasser des zombies avant de le rebâtir à Jefferson Island. Ces morts vivants sont partout. C'est pire qu'une invasion de cafards. Ouais, ce château de merde est rempli de monstres horribles. J'espère que Jack est prêt parce que ça va pas être de la tarte. Oui, c'est bon, on a compris. Ils font chier ces zombies à se régénérer comme ça. Ah, c'est comme mes verrues, ça. Tu les brûles et elles reviennent en force. Oh non, pas le coup du lampadaire. Trop nul. Tous ces zombies, ça me rappelle mes premiers costumes d'Halloween. Moi, j'étais déguisé en princesse. Tu m'étonnes. Il ne faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Bah, dans ce cas-ci, moi j'en boirai pas. Moi non plus, tout contre. Donc là, je suis en train de réaliser le défi. Tous ces zombies, ça me rappelle mes premiers costumes d'Halloween. Moi j'étais déguisé en princesse. Tu m'étonnes. Ah. Dans un corps d'homme. Jack doit être prudent, sinon ce connard va lui couper la tête. Sa lame est bien aiguisée. C'est pas faux. Si Jack fait pas gaffe, il va se faire trancher la tête. Et crois-moi, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Il a été débouté. Ouais, bon, mais c'est un dur. Non, mais sérieux, la fontaine a se fait, oui. Il ne voilà. Faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Bah, dans ce cas-ci, moi, j'en boirai pas. Moi non plus, tout compte fait. Donner une autre arme à Jack, c'est comme offrir une deuxième paire de nichons à une pute. C'est pas vraiment nécessaire et on n'a pas assez de mains pour que ça en vaille la peine. Deux paires de nivards, ouais. Évidemment. Je parie qu'il aurait préféré ne jamais trouver le poteau rose. Bonne solution pour un problème épineux. J'ai une bonne solution pour ta gueule, c'est mon point de dent. Le revoir.
Et il revient à la charge, ce con. J'aimerais bien le loquer, mais j'y arrive pas. Fais des prières du con. Il se régénère, je vous rappelle. Mais bon, c'est une bonne chose de faite. C'est toujours un connard en moins. C'est dur à dire parce qu'elles ne sont plus attachées à sa tête. Cette grande table est parfaite pour un festin de zombies. Vous ferez ça, toi. C'est pas pire qu'un hot dog. Juste à quoi. Un zombie comme je les aime. Où est-ce que se trouve mon club de golf? Telle est la question. Et c'est ça que je cherche. Hein. Merde. Je tape dans mon masque, mon casque, tout. Le sol et prends ton élan. Sa tête va valser. L'important, c'est de maintenir une bonne position des épaules pour un transfert de poids optimal. L'important, c'est de taper bien fort dans sa sale gueule de zombie. Quel élan! Un trou en un coup, sans aucun doute. Ah, mais s'il se laisse pas faire aussi. Je crois que c'est parce que c'est un jardinier que je le hais. Tu piges? Et le zombie, c'est un jardinier. Je peux t'enfoncer des ciseaux dans la gorge. Jack, t'as plus de gaz. Ah ouais? Bah moi si. Oh non! Il lui a arraché la tête. Et elle est tombée dans un bunker. Et merde. Attention à la tête! Super frappe! Jack sait comment taper avec un club de golf! C'est ça! Le homme me soigne par contre. Ça s'appelle croquer dans l'oignon! J'avais bien dit qu'il fallait jamais courir avec les ciseaux! Le papier bat la pierre et les ciseaux battent Jack! Je crois que c'est parce que c'est un jardinier que je le hais. Tu piges? Et le zombie, c'est un jardinier. Je peux t'enfoncer des ciseaux de ma gueule. Tout est dans la créativité. Le Blood Bat Challenge. Look here. The pimp named Black Barry stops there. Ain't much for the sport. But seeing as how y'all like hitting them little white things, I present to you Band Golf. T'es prêt pour un défi? Un nouveau défi sanglant? Ouais! Cherche l'étoile, Jack! Et tire le levier! Allez, fais pas ta chochotte! Je me fais pas prier, écoutez. Just don't go asking the bishop of blood and carnage to carry for your ass, punk ass bitch! Now y'all wanna get your game on, all you got to do is take this here Bloodbath Challenge Club and tee off on some motherfucker's fat ass dome. We place target rings all over the place, and if you succeed in giving any one of them head, so to speak, you gonna be doing fine. So put on your knee highs, bitch, and put your motherfucking stuff. Allez, montre-nous ton swing. Aw, hey, baby. Now, look here, you going for the wrong club now. Ooh, but you always did have a sweet stroke. No, 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 God! Oh, hell no!
Elle est sublime. Je l'adore. Ça serait une bonne copine pour moi. Non, vraiment. Une très bonne amie. Les règles sont exactement les mêmes que pour le golf. Ouais, sauf qu'on a remplacé les balles de golf par des têtes. Sinon, c'est exactement la même chose. Exactement, oui, sauf qu'au lieu de taper la balle ou la tête dans un trou, il faut la faire passer par des anneaux. Oui, exactement comme au vrai golf. En fait, le seul point commun, c'est le club de golf. Ouais, exactement le même club de golf. Quel élan! Un trou en un coup, sans aucun doute. Attention à la tête! C'est vraiment une tête en l'air! Tu oses traiter Jack de tête en l'air? Ah non, non, je parlais de la tête du participant. Oh non! Il lui a arraché la tête! Et elle est tombée dans un bunker et merde! Une poêle de fer dans un gant de velours! Et un club en acier trempé! Ah ouais, c'est pas négligeable! Attention à la tête! C'est vraiment une tête en l'air! Tu oses traiter Jack de tête en l'air? Ah non, non, je parlais de la tête du participant. Quel élan! Un trou en un coup, sans aucun doute. Oh non! Il a arraché la tête! Et elle est tombée dans un bunker et merde! Attention à la tête! Une poêle de fer dans un gant de velours! Et un club en acier trempé! Ah ouais, c'est pas négligeable! Jacques vient de battre le record pour la plus grande distance parcourue! Et pourtant, il n'a même pas bougé! Quel élan! Un trou en un coup, sans aucun doute! Superbe frappe! Jacques sait comment taper avec un club de golf! Oh non! Il lui a arraché la tête! Et elle est tombée dans un bunker et merde! Faut que je retravaille mon souvenir. Quel élan! Un trou en un coup, sans aucun doute! Attention! Oh, j'entends jouer à Wii Sport. Une poêle de fer dans un gant de velours! Et un club en acier trempé! Ah ouais, c'est pas négligeable! Oh non! Il lui a arraché la tête! Et elle est tombée dans un bunker et merde! Attention à la tête! C'est vraiment une tête en l'air! Tu oses traiter Jack de tête en l'air? Ah non, non, je veux parler de la tête du participant! Quel élan! Un trou en un coup, sans aucun doute! Oh non! Il lui a arraché la tête! Et elle est tombée dans un bunker et merde! Attention à la tête! Super frappe! Jack sait comment taper avec un club de golf! Quel élan! Un trou en un coup, sans aucun doute! Oh non! Il lui a arraché la tête! Et elle est tombée dans un bunker et merde! Attention à la tête! 23 victimes, ça va! Encore une arme avec laquelle Jack pourra tuer plein de gens, comme s'il avait besoin de ça. C'est tellement pas me connaître, quoi. Oh, il l'a mis en boîte. Non, Chris, en tonneau, il l'a mis en tonneau. Ça me rappelle les jeux de mon enfance. Tu jouais avec des zombies? On ne choisit pas ses amis. Bah si, un peu, c'est la famille qu'on choisit pas. Con
cette bonne chair de zombie moulu, ça me rappelle la cuisine de maman. Mais ça chingue un max. Ah ouais, ça me rappelle la cuisine de maman. Zombie, t'es mort. Ton moulin va trop vite. Zombie, t'es mort. Ton moulin va trop fort. Les moulins, c'est une source d'énergie propre. C'est moins propre avec ce zombie. Ah là là, ouais, les zombies ne respectent rien. Lâchez les chiens! Allez Jack, réveille le pyromane en toi! Je suis étonné que tu connaisses des mots de trois syllabes. Ah bah y'a toujours des gens pour nous surprendre, hein, plutôt. La famille tout pour le plaisir, pourquoi pas. Une famille d'yinches peut-être. Voici les chamans! Les âmes sensibles ont raison quand ils disent que ceux qui portent des fourrures sont cruels. Ces affreux chamans m'ont bouffé le cul en 2004 et j'ai encore des cicatrices de morsures sur la fesse gauche. Je peux plus aller à la plage en string sans faire peur aux enfants. T'es sûr que c'est à cause des cicatrices? Bah ouais, quoi d'autre? I smell fresh meat. Ok, c'est comme ça que tu joues. Jack est dans la mouise. Dans la quoi? Dans le pétrin, la banane. Hein? Ah, il est dans la merde. Ah oui, bien vu, Howard. C'est pas en courant qu'ils vont gagner cette partie. Non, mais ça les aidera peut-être à pas mourir quand même. Ils ont pas l'air si méchants, ces toutous. Un sol, ça va, mais en eux, ils peuvent te bouffer. Ouais, il est en mode vénère. Ouais, t'as des preuves? Tu veux juste voir les coups, non? Peut-être. Chat prend une sacrée raclée. Ah, si le chaperon rouge avait une tronçonneuse, lui aussi. Chat devra se faire piquer contre la rage après cette tige. Ils ont pas l'air si méchants, ces toutous. Un sol, ça va, mais en eux, ils peuvent te bouffer les couilles. T'as des preuves? Tu veux juste voir mes couilles, non? Peut-être. Chaperon, aïe! Ah, ce chaperon rouge avait une tronçonneuse, lui aussi. Ils ont pas l'air si méchants, ces toutous! Un seul, ça va, mais en eux, ils peuvent te bouffer les couilles. Ah ouais? T'as des preuves? Tu veux juste voir mes couilles, non? Peut-être. Ah, ce chaperon rouge avait une tronçonneuse, lui aussi. On va voir qui est le loup dominant. Il y en a un qui n'est pas un loup, c'est pas juste. C'est une façon de parler, Chris. Cours, Forest, cours! Regarde-moi cette gonzesse qui se sauve! C'est pas con comme stratégie! Jack est un loup parmi les loups! Il sait se faire respecter! Ils ont pas c'est qui le mal alpha? Un seul, ça va, mais en eux, ils peuvent te bouffer les couilles. Ah ouais, t'as des preuves? Tu veux juste voir mes couilles, non? Peut-être. Jack devra se faire
rage après cette déchelée. Ah, ce charbon rouge avait une tronçonneuse lui aussi. On va voir qui est le loup dominant. Il y en a un qui n'est pas un loup, c'est pas juste. C'est une façon de parler, Chris. C'est pas en courant qu'ils vont gagner cette partie. Non, mais ça les aidera peut-être à pas mourir quand même. Prépare-toi à mourir, connard. Ils ont pas l'air si méchants, ces toutous. Un seul, ça va, mais en meute, ils peuvent te bouffer les couilles. Ah ouais? T'as des preuves? Tu veux juste voir les couilles, non? Peut-être. C'est l'heure de la promenade. À l'instant. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Salaud, tu sais très bien que je ne sais pas lire. Bien. Ah. Bon, maintenant que nous avons dézombifié toute une zone et s'est débarrassé de Shaman et d'un certain Deathblade, on va se laisser ici et puis bah, je vous dis tout simplement à la prochaine pour la suite. Allez, Kenavo.